Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 7 de la série Minecraft Hardcore Survie Extrême Défi Fou. What the fuck, c'est trop dur. C'est le Hess. Alors cet épisode sera consacré à l'aventure parce qu'on aura plein de choses à faire à l'extérieur de notre forteresse du coup. Vraiment masse choses, il faut qu'on récupère de l'argile pour faire notre statue. Faut qu'on récupère de la ficelle en pagaille pour faire plein de crafts, de trucs de ouf. Faut qu'on tue des squelettes pour avoir des os. Enfin, on a masse choses à faire à l'extérieur. Ok les gars, bon petit message là au passage, c'est que j'ai vu qu'en fait les vidéos n'avançaient pas trop vite, donc j'en ai totalement supprimer une. Il y a un épisode que vous verrez pas que j'ai enregistré, mais parce que c'est trop long, il se passe rien. Je vais chercher des moutons et c'était vraiment la misère. La preuve. Vas-y, mais il arrive pas à monter ce con là. Bon, je vous reprends dès qu'on arrive parce que là, ça va être long. Hein. Et ensuite, j'ai fait surtout du farming. J'ai fait de l'agriculture. J'ai entretenu mes champs. Enfin, en gros, cet épisode-là n'avait aucun but. Donc on passe directement à celui-là et je vais vous expliquer là directement les changements que j'ai fait. J'ai juste divisé la base en 4 carrés. Donc ici c'est le carré agriculture. Vous avez vu, ça c'est. En gros, ça c'est. Hop là. Ça c'est le coin agriculture, le coin élevage. Là il y aura le moulin, j'ai un petit peu dessiné ce que ça va donner. Et après les autres carrés qui vont regrouper tous les défis. Il y a ce carré-là et ce carré-là. Ici je pense en plein milieu il y aura ma statue. La statue de Tog l'aventurier. Et puis je pense que voilà, je vous ai tout dit. Donc du coup j'ai tout déménagé, tout ce qu'il y avait à l'extérieur, j'ai tout déménagé. Et on part à l'aventure. Est-ce que je prendrais pas le lit? Ouais, je vais prendre le lit. Quand même. Je vais prendre le lit au cas où il faut dormir. Pour passer les nuits, juste pour avoir le plus de temps de jour possible. Voilà. Alors ce qu'il me faut, ça serait. Déjà planter cette canne à sucre. Voilà. On va se remettre la pioche. Ça, on va le jeter. Ça aussi. Voilà. On va manger un coup. C'est où celle-là? Voilà. Donc ce qu'il me faut à tout prix, c'est faudrait que je trouve des marais pour tuer des slimes, pour pouvoir faire des cordes, pour pouvoir faire des cordes du coup, des laisses quoi, pour capturer des chevaux et des chiens. Comme ça, on aura fini déjà un objectif. Ces trucs-là, je vais les tuer pour avoir du cuir aussi. Si on peut trouver des pandas aussi, ça serait pas mal. Ben, pour tout simplement les tuer. Vous savez qu'on a la quête de l'exterminateur. Viens là toi, tu vois. Il faut du cuir. Bon, la bouffe on s'en fout, hein. C'est bon, on a assez. L'ours on va le laisser tranquille. Je vais tuer ces trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, il y en a un paquet. Ok, venez là. Il y a combien de coups d'épée là? 1, 2, 3, 4. 4 coups d'épée. Un coup de fusil à pompe. Donc en gros, vous voyez, il faut que je prenne la carte régulièrement en main pour découvrir le territoire. Comme ça. Comme je fais là. Mais ouais, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de mer, du coup, j'ai l'impression. Les gars. Déjà, il va falloir qu'on dorme. Donc, du coup, cette exploration, elle va servir à se récupérer des blocs, des plantes, aussi pour le jardin d'Éden, des blocs pour la montagne des merveilles. Enfin, là, ça y est, on commence vraiment à partir en exploration. Du coup, le cuir, je vais le garder, hein. C'est quand même important. Regardez la carte aussi. Tout c'est qu'avec la carte, j'y vois pas grand-chose donc. Quand même assez dangereux quoi. C'est quand même assez dangereux d'avoir cette carte en main. Allez, toi tu crèves. En vrai, ça me donne clairement pas assez de cure, hein. Je vais arrêter de les tuer. Ça sert à rien.
Faut un maximum de fleurs. Alors, faut que je sois attentif, faut que je pense à tout. Il y a encore un donjon, on le voit. Un panda! Allez, one panda. One panda. On va se mettre un compteur de panda en haut, les gars. Il va apparaître de suite. Allez, one. Allez, on va le tuer comme ça, gros. Voilà. First panda. Éclataxe. M'a rien donné. Ah ben c'est pas mal ça. On a notre premier panda. Eh merci hein. Bon, on va partir par là-bas. Ça sent pas trop le marécage. Il me faut des marécages pour le slime. Pour pouvoir crafter une corde. Il m'en faudrait même deux de cordes. Wesh. Alors ça c'est bestiole que vous voyez là-bas, là, c'est. C'est malaisant quoi. Vous allez voir. Vas-y les pompiers là! Fermez-la. Vous allez voir les cris que ça pousse et tout. C'est pas méchant, hein. Ça a une sale gueule, mais c'est pas méchant. Regardez ça. Écoutez ça, quoi. Berk. Un village d'artisans. Normand. Ok, il y a un village normand, du coup. Du coup, on a un village normand, un village romain, un village japonais, c'est pas mal. Il nous manque un indien. Et un Maya à trouver, puis on sera bien, on pourra se faire pote avec tout le monde. Ok, on va continuer par là, on va longer la mer. Hein. Oh, on a un portail vers le Between Land. Donc on sait qu'il est là, tout simplement. On sait qu'il est là, je vais quand même aller vous montrer ce que c'est. Mais on va pas rester. Hein. Je vous dis qu'on va pas rester. Parce qu'en gros, je sais pas trop comment ça fonctionne cette histoire. Mais en gros, je crois que. Ah, bah, c'est une zone de marée aussi. Ok, bon, c'est très bien. En gros, cet endroit-là, c'est des espèces de reliques. Un petit peu fantaisistes, quoi. Avec un mage qui les protège. Et pour aller dans le Betweenland, faut tout simplement tuer le mage qui protège ses reliques. Et pour tuer le mage, je sais pas trop comment ça marche parce qu'il m'a l'air vraiment très très fort. Le mage, il vous fait voler, il vous envoie en l'air dans tous les sens. Donc je sais pas trop comment le tuer ce mage pour l'instant. Je pense que je suis tout simplement pas assez armé. Aussi. Ok, il y en a d'autres là-bas. Je vais aller vous le montrer. On va préparer le chemin de fuite avant tout quand même. Alors je vais aller vous montrer le mage. Il va apparaître de toute façon. Voilà, il est là. Là, on se casse. On se casse, tout simplement. Je vais continuer à vous montrer ça. De toute façon, il me chasse. Voilà. Il va me chasser pendant trois plombs maintenant. Faut vraiment que je m'aille trop loin. Il est plutôt flippant, hein, vous voyez. Vas-y, 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 vas-y. C'est bon, je me tiens. C'est bon, j'ai compris le mage. Lâche-moi. Pas très rassurant tout ça. Hein. Je sais pas s'il va continuer à nous poursuivre ou pas. Ouais, il est pas très rassurant celui-là. Hein. De toute façon, je me tire. Je sais pas du tout comment le tuer. La dernière fois, je l'ai tué. Enfin, j'ai réussi à le tuer une fois en fait. Et du coup, je lui ai mis des coups d'épée tout simplement. Bon, ça, c'est une zone de marée. Je sais pas si la nuit il peut y avoir des slimes qui pop. Bref, bon, on sait qu'il y a un truc du Betweenland ici, un portail. C'est pas mal. Ok, bah les gars, je vous reprends. Du coup, dès qu'il se passe quelque chose, pour l'instant, je vais continuer à explorer tranquillement. Oh, des marées là-bas. Des marées au nord, sûr. 100%. Marée spotted. Alors, là, il faudra être très vigilant. Aïe, 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 aïe. Varan, crocodile, scorpion. Merde. Facochère là. Pas les facochères, mais sanglier. Ça, c'est des ours aussi, même. C'est des bestioles à tuer. Pour pouvoir se faire des armures, parce qu'il faut que je m'en fasse 10 différentes. Vas-y, rends pas fou. Voyez, il me donne de la peau. Stop.
Et je vais crever. Hein. Faut que j'arrête là. Là, faut pas que je reprenne un combat avant. Hein. On va y aller avec ça. Hein. Recharge. Ce sera plus simple. Moins dangereux. Faut vraiment que je tue des slimes aussi. Les slimes, c'est la nuit. Mais le problème, c'est que la nuit ici. La nuit ici, je survivrai pas. Il y a trop de bestioles. Y a des bestioles qui te lancent des couteaux et tout. Il y a des araignées laser. C'est n'importe quoi la nuit dans les marais. C'est vraiment, quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Des araignées qui ont rayon laser, elles te one shot. Genre. Tu le vis ça? Non? Non? Allez, on prend le fusil à pompe. Même touche que Fortnite pour le fusil à pompe, hein. On n'est pas fou. Ah, des poules. Alors attendez, ça par contre. Ça par contre, va falloir agir direct. Les poules, faut que je les garde. Un élevage de poulet, c'est bonnard ça. Venez là, les filles. Y'en a toi aussi. Y'en a. Y'en a d'autres. Les poules font des œufs, évidemment. Tenez, si vous voulez manger ça, moi je m'en fous. Voilà. Du coup, on va marquer l'endroit. On va rester pas loin de ça sans. Voilà. Très bien. Ça c'est bien pour l'élevage. Je vais pouvoir faire un élevage de poules du coup. On va continuer à partir un peu à l'aventure parce qu'on. On va continuer à partir dans l'aventure vers ici. Oh, ça c'est le bruit d'une caverne, je crois. Essayer de trouver des. Ah, des serpents, tiens. Je pourrais. Peut-être avoir un œuf. Voilà, pareil. Ça serait pour faire pop un serpent, tout simplement. Pour la quête du zoo. Crois que j'ai entendu un slime. J'entends un slime là. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Le petit bruit que vous entendez là. Ça là. Ah. C'est la fameuse araignée laser. C'est la fameuse araignée laser. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là! Je l'ai tué! Je l'ai tué! Vous avez pas eu trop le temps de l'avoir, mais d'un autre côté. Vas-y, rends pas fou, toi. Toi aussi, rends pas fou. Il y avait qu'un slime là. Oh putain, il y a un troll. J'ai envie de le fumer lui aussi. Il peut donner du diamant, les gars. Bon, il m'a pas donné de diamant. J'entends des slimes. Là, il y a un creeper vénère. Ça commence à être très dangereux, là, quand même. Merde. Jamais farmer en dessous de soi. Jamais faire ça. Jamais au grand jamais. Là c'est très dangereux là. Là j'aurais pu tomber avec je sais pas un creeper en année. Genre. Là j'aurais pu mourir en fait. Juste en farmant en dessous comme ça.
Mais juste là. En fait, il veut ma peau depuis tout à l'heure. Mais le truc, c'est que... Vas-y, venez, 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 venez. N'hésitez pas. Allez, venez, les petits. Voilà, très bien. Bon, j'ai eu mon slime. Objectif accompli. Ok, bon ben, je pense que ouais, j'ai rempli pas mal d'objectifs. J'ai pas trop envie de sortir, à vrai dire là. Encore du slime ici. Ok. Toute façon, il y a un creeper cochon là-bas. Creeper cochon, c'est pas tant un problème, il me fait pas trop de mal lui. C'est juste que les autres, s'il y a d'autres merdes qui traînent, je vais aller tuer d'ailleurs le creeper cochon. Rien. Me faudrait surtout de la poudre aussi, la poudre de creeper là. Non, c'est dingue, je fais tout le temps la même tête quand je joue à Minecraft, quoi. Je suis toujours comme ça. On va aller se faire se reproduire les poules un peu là pour qu'elles me donnent un peu plus d'œufs. Hop là, salut les poules. Hop là, allez. Faites des bébés. Merci. Hein. Hop, bah, tu voulais aller où toi? Ah non, tu restes prisonnière. Ok, 6 œufs de poule, peut-être pas mal. Après, le truc, c'est que un œuf ne donne pas forcément une poule. Alors, ça, je vais le virer. Je vais reprendre ça. Voilà. Du coup, ouais, j'ai. Faudrait que je trouve des varans encore un peu. Mais en faut masse, hein. Il faut masse. Masse, 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 peau de varan pour pouvoir faire une armure en peau de reptile. Mais bon. Puis on le fera pas tout de suite. Hein. Si je peux en trouver quelques-uns pendant que je suis encore là, ça peut être pas mal. Si je pouvais trouver un peu d'argile, ça pourrait être pas mal aussi. Quelques plantes, ça serait pas mal. Yes, le saut complètement raté. Par contre, le problème de la pomme, c'est que tu gardes pas beaucoup ton énergie quoi. Avec une pomme, il a souvent la dalle. Allez, vas-y toi, mon pote. Non, c'est empoisonné! C'est empoisonné, wesh! Oh putain, c'était empoisonné quoi, les bâtards! What the fuck? J'avais pas capté, c'était de l'eau pour moi ça. Peut-être de l'eau. Ah, des tortues, tiens! Je peux les tuer, peut-être qu'elle me donnera des œufs. Protège! Un œuf de tortue là. Un petit œuf! Pas ta crevarde, wesh. Je vais le tuer pour rien. Oh là là, eh, j'ai failli crever là. Là, j'ai failli crever, les gars. Faut vraiment que je fasse gaffe quand je tombe dans l'eau, quoi. J'ai récupéré une boule de slime, c'est tout en plus. C'est extrêmement dangereux ce qui vient de se passer là. En plus, quand tu es dans l'eau, tu peux pas forcément poser des blocs en dessous de toi. Faut que tu en poses devant et sauter dessus. Enfin, bah, c'était dangereux, quoi. C'était assez dangereux. Je crois qu'on va se casser de cette zone de marée. Hein. On attend juste que les poules pondent un peu plus. Et on rentrera à la casse. Est-ce que vous m'avez fait des petits œufs encore? Un seul? Foutez de ma gueule. Ah non, trois. Ça fait 9, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va. Après, j'ai que 3 peaux de reptiles, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Bon, je vais leur rendre leur liberté à ces poules. Allez, il est temps de partir, les poules. Allez, let's go. Cassez-vous.
Allez, fuis. Fuis, petite poule. Fuis, petite poule. Ouais, on n'est pas fou, hein. Bon, bah, les gars, je vous reprends quand on arrive ou s'il se passe quelque chose d'un peu. Un peu what the fuck au milieu, comme on dit. What the fuck, il s'est passé quelque chose de what the fuck. What the fuck, what the fuck, what the fuck, il s'est passé quelque chose de what the fuck. Non, il s'est rien passé de fou, c'est juste que j'ai trouvé des petites fleurs là, au jardin. C'est tout. Petite fleur en plus pour le jardin. Deux quoi. Deux espèces, des tulipes orange et des tulipes roses. Allez, bon, du coup on reprend l'exploration. Hein. Je suis juste allé un tout petit peu plus loin que les marais. Hein. Ah, des marguerites. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Voilà. Bon, à toutes. What the fuck, il s'est encore passé quelque chose de what the fuck. Voilà. Donc ça, c'est d'autres zones de marais, du coup. Pareil, hein, il peut y avoir des trucs what the fuck, what the fuck, what the fuck. C'est-à-dire les mêmes les oiseaux, mais fermez-la un peu là quand même. Oh, je parle. Ah ben voilà, on parle. Nané, quand je suis tombé né avec. Wesh. Avec un crocodile. Il y a plus de crocodiles que de varans là-dedans. Alors lui, le crocodile, faut faire gaffe parce qu'il peut te choper. Il t'attrape et il te déglingue après, quoi, tout simplement. Voilà. Bon. Du coup, en fait, faut juste pas aller contact. C'est tout, hein. Il bouge pas. Il est fixe. Il est fixe dans le sol. Bon, on va explorer ces marais. Nous, on est venu par là, vous en rappelez. On a dû traverser ça. Pour arriver dans ces marais-là. En fait, on n'a pas trop bougé depuis tout à l'heure, hein. On est arrivé de là-bas. On a traversé ça. Je suis passé par là. Je suis monté ici. Et là, bah, on va explorer cette zone. Vite fait. Je crois que c'est pas sur la carte. Ah si. C'est sur la carte. Bah, c'est super ça. Bon ben bah, voilà, on va explorer ça avec, avec la carte. Même si on n'y voit rien, il y a plein de trous, il y a de l'eau empoisonnée. Wesh. Bah, écoutez, on va faire le tour des marais. Dès que je trouve quelque chose, je fais le cri de guerre. Hein. What the fuck, what the fuck, what the fuck, y'a quelque chose, cri de guerre, what the fuck. Voilà, y'a un truc là. Bon, j'ai pas trouvé de varan et ça s'est arrêté il y a 3 minutes. C'est quoi ce truc? Attendez, what the fuck. C'est bon, j'ai compris ce que c'était. Oh yeah, you, j'ai compris les gars. Et vous avez pas compris évidemment. C'est, je crois bien, un camp de bandits du mode millénaire. Alors eux, vérifiez. C'est pas écrit, mais je crois que c'est un camp de bandits. Peut-être pas, hein. Je sais pas, j'ai peur d'aller voir, hein, parce que c'est pareil, les bandits sont hyper forts. Voyez là avec ça. En gros, les bandits, ils vont piller les villages. Et du coup, ils font juste chier, quoi. Genre, toi, tu t'aides à fabriquer un village, tu t'aides à construire. Parce qu'en gros, les villages, il y a des quêtes à faire, ils te demandent de ramener des blocs, de les aider à construire ci, ça, ci. Toi, tu les aides à construire, et les bandits, ils peuvent arriver et tout péter, quoi. Ah oui, c'est en effet un camp de bandits. Wesh, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi, wesh? Tu veux quoi, toi? Tu rates-le, comme il est vénère. Bon. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je te crevais. Je le sais pas encore, mais je vais venir te crever, toi. Il est où sur la map? Je vais les attaquer.